Un incendie ravageur à Blanchard, un autre à Anquetil, à Jarry, ou plus récemment à Lorisisque. Depuis plusieurs jours, le territoire est confronté à une vague d'incendies exceptionnelle. Le capitaine Cyril Palu a coordonné plusieurs opérations de sauvetage. Et c'est un cas particulier hein, d'enchaîner comme ça énormément de feux d'habitation, avec des profils un peu différents. Donc on avait des feux naissants qui ont été vite régulés par l'action des secours, et puis des habitations qui ont été entièrement embrasées, qui ont demandé une opération de longue durée. Plus on sera alerté rapidement et plus les secours pourront se présenter sur le lieu du sinistre le plus efficacement. En cette période de carême, les incendies sont plus fréquents à cause de la sécheresse et du vent. Les négligences se payent donc très cher. Le lieutenant-colonel en charge de la prévention tient donc à rappeler les bons comportements à adopter. Il est interdit de faire des feux de boucan, de brûler son champ de canne, de manipuler toute flamme à proximité de végétaux pour éviter la naissance d'un incendie et éviter aussi par cette période un peu particulière avec de forts vents, éviter sa propagation. Vérifier l'installation électrique, surtout si elle est ancienne, et vérifier qu'on n'a rien laissé brancher en partant de la maison. Et pour ne pas être surpris par les flammes, l'installation d'un détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements depuis 2015. Vous regardez ETV.